Eh bien salut tout le monde, c'est Monsieur Toon de Toon Studio Prod. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog 25e anniversaire de Disneyland Paris. Avant de commencer ce vlog 25e anniversaire du coup, je vous préviens en avance qu'il n'a pas été filmé à 100%, donc du coup il manque quelques extraits. Et pour faire suite du coup à ce vlog, il faudra regarder le live qui suivra juste après. Du coup dans cette petite vidéo, il y aura un condensé des meilleurs moments de la journée qui a eu lieu du coup le dimanche du 26 mars, lancement du coup des festivités du 25e anniversaire. Très bon vlog à tous et à la prochaine, ciao ciao. T'es l'héroïne. Bon, tu commences ? Bah allez, on y va tous les deux au pire, non ? Vas-y. Oui, dans tous les deux, c'est le bordel. Ça fait flipper d'avoir deux caméras. Grave, ça fait un petit peu synchro. Bon bref, on y va. Et voilà, on se retrouve alors avec Monsieur Toon. Bonjour. Monsieur Toon. Olivier, si je ne me trompe pas. Léo. Ok. Olivier. Je mérite la mort. Olivier, je mérite la mort pour ça. Il n'y a pas de soucis. Désolé, Olivier. Excuse-moi. Olivier. Et Marie. Marie. Voilà. Romain. Et Marie. Encore une Marie. Double Marie. Voilà, double Marie. Waouh. Pour le vlog 25e anniversaire. Oui, parce que là il y a deux caméras en fait. Voilà, c'est très, oui. C'est très l'humour. Mais attendez, ça fait un double vlog, donc vous pourrez regarder le coup de 6 points de vue de Romain sur sa chaîne. Voilà, c'est la même chose par là. J'ai dit garder ma place. Et bah voilà. Nous attendons une heure, regardez une heure, oui, pour le show des princesses. L'étincelante valse des... Non, la valse étincelante des princesses. Des princesses. Voilà. Ça va être... Moi j'ai dit ça. C'est ma phrase. C'est le plagiat ou... Prends un copier. Et voilà, on se retrouve dans une heure. Ouais, je pense qu'on va les manger nous. Mais on verra. Et moi ma mère elle m'a fait des bons sandwichs. Je voulais présenter. C'est compliqué de faire deux vlogs parce que... je voulais vous présenter dans ma nouvelle rubrique mangeons bougeons.fr. Every time that you're there, that you're
une photo d'identité de Dark Vador. C'est genre c'est sa photo de, sur la pièce d'identité quoi. 30 minutes ça va en fait. Ouais. Carte vitale s'il vous plaît. Hello, on est avec Gwenaëlle. Comment vas-tu? Ça va très bien. Ouais, t'as vu, je suis obligé de m'amener. Et en fait, on est en train de vivre une expérience assez formidable, non, n'est-ce pas? Le 25e anniversaire d'Edison de Paris. Et ce que t'en as pensé, parce que t'as tout vu du coup. Sauf la parade, oui. Et, sauf la parade. Pareil, moi j'ai pas vu la parade et j'ai pas vu l'illumination. Bah c'était génial. Franchement, j'aime beaucoup. Apparemment la parade est vraiment très très belle. Et on a vraiment hâte de voir ça. Il faudra se placer une heure avant, une heure et demie avant même. Parce que du coup il y aura beaucoup de gens. Ouais. Et on espère que la flamme marchera. Parce qu'apparemment il y a eu un problème technique hier. Avec le dragon, oui. Ouais, parce qu'en fait le coup s'est baissé. Et en fait ils ont désactivé les flammes parce que sinon le dragon allait cracher sur les gens quoi. En même temps avec le vent qu'il y avait. T'imagines si tu mets des flammes sur les gens. C'est pas Disneyland. Avec les cheveux. Et on va tester aussi Star Tour tout à l'heure. Oui. Et on fera pas la queue. Oui. Non. Voilà. De nouveaux arrivants. Je vais demander 4000 copyrights pour la vidéo. Non, parce qu'en fait, je parlais de la photo d'identité de Dark Vador. Genre, c'est sur sa carte vitale et tout. C'est beau, tu sais pas qui c'est. C'est beau. Regardez la masse de monde. C'est une masse corporelle de gens. Non, mais regardez la populace quoi. Quelle idée de venir un dimanche. Ciel bleu. Ah mais franchement ça fait du bien de plus voir de palissade en fait. Oui. Depuis le c'est temps. Ce qu'on se disait, c'est quoi, On se disait oh, c'est chiant et tout. Et là on peut faire du coup la rencontre avec Dark Vador dans le Star Stayport. Je sais pas il y a combien d'attentes. Et nous avons 70 minutes. La rumeur de 45 minutes était complètement faux. On a entendu 45 minutes, et là on fait oh oh oh. Oh 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 oh. 45 minutes qui sont passées à 70 minutes, c'est-à-dire que vous êtes en gros au tout début de la file de l'attraction. Faisons un tour. Bonjour, vous allez faire 70 minutes d'attente? Non, je rigole, il n'y en a pas 70. Hein. La boutique Star Trader. D'accord, il y a des fuites d'eau à l'attraction. On s'est pris une grosse goutte genre. Waouh. Eh regardez, j'avais même pas vu ça. C'est tellement classe. C'est un Star Speeder à l'envers. Trop bien. Elle est belle hein, cette boutique en fait. Est-ce qu'ils ont sorti en merchandising? Non, j'ai pas vu. T'as pas vu? J'ai pas vu. On va regarder avec monsieur Léo qui a l'air impatient de voir le merchandising. Oh! Qui peut être une fille fan de Disney, tu vois. Il est tellement, regardez. Il est tellement beau. Mais ce t-shirt est trop la hype. C'est la hype totale ce t-shirt. Mais ouais. Il fait combien? Il fait 21€, soit le prix classique d'un t-shirt. Un t-shirt, il est trop. Ah, c'est cool. Et on dirait limite un truc Zelda un peu. Ouais. Si on aurait mis la Triforce à la place de la c'est tête ça, de Dark Vador, ça aurait passé. Non mais en plus c'est bien, c'est du minimalisme et tout au niveau t-shirt, c'est pas mal hein. Ils ont fait des efforts, ils ont fait. Putain, on est chez Pull&Bear ou on est. C'est ça. C'est super classe les t-shirts. Ouais. Franchement, ils ont merchandising et ils se sont butés hein. Pour une fois, franchement, je trouve qu'il est vraiment classe en merchandising. C'est cool. Sauf ce truc. Ça, par contre, non. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Moi, je trouve ça archi cool. Oui, bon, ça vraiment. Ça, c'est spécial. Un design vraiment. Oh, 79€ quand même, hein, le sac à main. Un peu bizarre. Un peu R2. Pourtant, c'est du Disneyland Paris. Bah, ouais. Mais bon, chacun ses goûts. Te trimballes avec un sac Gucci ou ça. C'est ça. Pour la classe. The Dark Side. L'envers, non mais vraiment c'est archi cool hein. Celui-là. Plus la déco elle est vraiment classe. Oh ça y est, je suis amoureux. Celui-là est magnifique. Je suis amoureux. On est d'accord. Oh mais regardez. Tout ça on n'avait pas vu hein. 19€. 19€.
C'est trop stylé. En plus, j'aime beaucoup la texture de. Ouais. Si vous sentez pas, je pense que vous sentez pas forcément, mais. Mais à part s'il y a des vidéos YouTube sensitives. Mais franchement, c'est super beau. Qu'est-ce qu'on a là ? Des chips Lay's, placement de produit. Ah, des bons, on a vraiment des bons trucs, on a même des Lego et tout, enfin, c'est vachement diversifié. Ah, produits exclusifs dans la boutique, hein. Donc ça c'est des produits aussi qui se vendent uniquement dans la boutique. Super cool. Donc on a vraiment des produits en fait qui se vendent que uniquement dans cette boutique là, donc ça c'est plutôt cool en fait. Alors attendez, on autofocus, hein, je suis désolé, mais il fait des trucs trop bizarres. Voilà. Est-ce que vous avez craqué pour quelque chose ? Non ! Avec qui est-ce ? Il y a plein de gens. Waouh ! C'est le Tsum Tsum of Doom. Monsieur Léo ! Monsieur Léo ! Que faisons-nous ? Nous faisons... Juste Arthur ! Oh pardon, d'acheter quoi en fait, c'est quoi ça? Le gars qui est parti là. Ah, regardez le monde. Le monde. Non, c'est vrai que, en fait, pour, franchement, pour un premier jour, ça va, je trouve, quand même. 70 minutes, ça passe quand même. Hein. Enfin, c'est beaucoup, hein, mais ça passe. Non, vous trouvez pas que 70 minutes, quand même, ça passe quand même pour un premier jour d'ouverture? Un premier jour d'ouverture, je trouve que ça passe carrément, ouais. On attend Space avec impatience, maintenant. Hein. Ouais. Mais là, là je pense qu'il y a 30 minutes, hein, je pense, pour Dark Vador. Non, plus que ça, les gens, ils mettent vachement de temps. Ah ouais ? Je suis intrigué de savoir, en fait, à peu près combien les gens attendent. Je vais leur demander. Eh ? Vous avez attendu combien ? Non, là. 20 minutes, exactement. 20 minutes ? Ah, ça va ! Ouais. Toi, tu fais quoi, seule. Gwen ? Bah, je suis toute seule. Mais moi aussi, je suis tout seul. On est tous les deux tout seuls. Mais en fait, je suis avec Léo aussi, mais... Bah moi, je suis toute seule, ils toute vont seule. Aller manger. Je me suis fait abandonner. Et maintenant, nous allons... On va où, en fait? Où est-ce qu'on va? Hein? Où est-ce qu'on va? J'en ai aucune idée. Oh, j'en sais rien du tout. En fait, on sait pas où on va. On suit la foule. Hugo! Ah bah non, pas trop loin. Où est-ce qu'on va? Hein? On va où? Je sais pas. On devait... On va voir Jean, je crois. On devait pas aller quelque part? Bon, écoutez, les tournes, on sait pas. Ah oui, voilà. Nous allons voir Reda. C'est quoi que tu tournes, là? Il y a qui dedans, là? Il y a des abonnés. Dans cette boîte, là. C'est quoi? C'est quoi ça? Attends, c'est sur quoi Instagram. Ça? J'ai volé le téléphone de Kevin. Quelle beauté. Ça m'a accompagné de Baymax. Baymax qui était pas là depuis très longtemps dans les vlogs. C'est moi, Baymax. Comme vous pouvez le voir, sa voix est totalement disproportionnée à son corps. Hé, hey, Pumba. Hé, hey, monsieur Chou. Il est pas beau, ce château? Avouez que ça serait tellement classe de regarder Dreams d'ici. Et toi? Oh, Dreams, j'ai oublié. Dreams, l'animation. Bon, la page un peu, on serait là. Juste un petit peu mouillé et cramé par moment, mais ça va. Pardon. Excusez-moi, je bouge. C'est Redox, dans son lieu de travail. Il y a des gens qui se mettent en plein milieu du vlog. Et Olaf, tu sais pas pourquoi il est là. Puis les deux, ils vont bien ensemble au final. Hein. Ça a combien? C'est à 19€, bon, c'est un peu cher. Mais oh, c'est trop joli ça. C'est vraiment splendide. Et ça, c'est une très bonne idée comme boule. Qu'en penses-tu? Ce merchandising. Il est trop bien, non? Il est vraiment cool. Moi, c'est tout, Mickey. Tu sais ce que je veux? Oh, le pixel. Bah, c'est 220 quoi, devant 220. Hein. C'est super beau. Je trouve que l'idée est très bien. J'ai pas d'argent. C'est tellement noir. Reste comme ça. Je vois rien du tout. Baymax. Qu'est-ce qu'on attend? La parade. On attend patiemment une heure avant, je crois. De quelle heure? Les
15h07. Ouais, bon, 1h30 avant en fait. Putain, c'est 1h30 là. Oh. Et regardez, les gens ils sont déjà en train de se passer. Attendez, je vais faire une pause. Il y a forcément nous qui nous plaçons, hein. Mais regardez, on n'est pas les seuls, hein. Parce qu'il y a tout ça. Tout ce monde là qui attend 1h30 avant là. Ah bah, si vous voulez venir un dimanche, premier jour des 25 ans, faut l'accepter comme il se doit. Hein. Nous sommes en compagnie de Léo, encore plus. Encore plus, c'est grandir. C'est ça, on se bouge derrière. De la princesse. Merci. Et du prince. Et on attend, il est quelle heure? Il est 54. 54, on en a marre d'attendre. Mais on sera tellement contents. C'est la première fois que j'attends la parade quand même. Hein. Ah pardon, vous avez fait de la mauvaise parade. Bah moi j'attends jamais la parade de base. Comme ça c'est bien. Regardez. On l'a bien mangé tout à l'heure. Il y a beaucoup manteau rouge qui viennent. Comme ça on voit tous. Les princesses. Ah merci la poussette hein. Ouais. Ouais. Attendez, vous avez pas une parade en Dimbib, genre? Ouais. Elles sont toutes belles avec leur prince. Elles sont toutes belles. Tu es une princesse aussi. Bah, c'est ce qu'ils disent dans le spectacle. Toutes les filles sont des princesses. La beauté du charme. Donc je me dis que je n'allais pas l'aimer franchement.